48. Donc on se balade dans la ville en direction de l'office du tourisme. Donc je pense qu'il va y avoir un achat de taureau, ou peut-être qu'il a été déjà fait, mais je sais pas. En tout cas, c'est joyeux, Cavaillon. Allez, on continue. Soy mi pena, suéname ese charango, por favor, suena esa quena. Suéname ese charango, por favor, suena esa quena. Suena, suena, suéname esa guitarra pa' cantarle. Soy mi pena, por aquella mujer que me ha causado esta condena. Por aquella mujer que me ha causado esta condena. Ay, 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 no sufras más, que esa mujer pronto la olvidarás. Ay, 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 no llores más, que esa mujer pronto la olvidarás. Cuánto amaba esa morena, quiero olvidarlo todo. Cuánto amaba esa morena. Suena, suena, suéname ese charango, por favor, suena esa quena. Quiero embriagarme todo para olvidarme de esa nena. Donc c'est parti. Sometimes I run through the woods with my pelican, pretend I'm fighting. With the boys on Juno Beach with some pine cone grenades in my red flower wagon. And I lie awake dreaming someday I might be just like. Ouais, 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 on dirait que tu bivouac. Donc je vous laisse regarder la vue. Magnifique. Les hauteurs de Cavaillon, une belle montée, c'est dur mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Tell me someday I'll make sense of this, each year I grow, each passing mile. They say son you walk alone now, but they don't see what I see. I've got the footprints of a giant stretching out in front of me. Donc la chapelle, jolie petite chapelle. To live life like you did, my days out in the sun.
au-dessus de la ville en fait, sur une sorte de petite montagne, c'est le top. Donc il est 00h30. Donc voilà. Les cigales ont arrêté de chanter. Et nous, on va aller faire dodo. Tranquillement. Voilà. Bon, désolé, j'avais pas de batterie. Et là, j'ai réussi à l'allumer. Donc j'en profite, je finis la batterie entièrement. Donc si ça coupe, ça coupera avec nous. Donc, petite astuce. Je sais pas si vous connaissez, mais quand vous enlevez vos chaussures, si vous êtes en hamac ou en tarp, même. En tarp, vous pouvez les mettre dedans, mais en hamac surtout. Et bien, il suffit de planter deux bâtons et de mettre vos chaussures à l'envers dessus. Et au moins, il n'y aura pas d'insectes. Sinon, il n'y aura que des fourmis. Donc, il n'y a pas beaucoup de vent, donc j'ai laissé mon tarp bâillant. Je n'ai pas attaché du tout. Pour au moins, j'ai pas trop de lumière du jour le matin. On va faire une excursion. Hop, hop, hop. Excursion nocturne, il faut faire attention. Voilà. Donc super bushcraft avec Yann du RSBF 13. Voilà. Je vais me réveiller. Avec une vue magnifique. Donc on va remballer tranquillement et on va descendre. Au café tranquille, on a replié, moi je replie doucement, les poubelles, voilà, on vide le camp, on laisse pas de traces, pour pouvoir revenir tranquille. Allez, à tout à l'heure qu'on est en bas et on se ferait. Voilà. On redescend tranquille vers la gare. Magnifique. Donc on a dormi sur la montagne Saint-Victoire. Et franchement, alors, les paillades, voilà, on a dormi juste à côté du mont Ventoux. Ah non, c'est de l'autre côté, je suis pas très fort en géographie. On a dormi à côté du Béron, voilà, tranquille. Là il y a une petite chapelle.